peu tout le monde. Aujourd'hui, pour Eva Sound Studio, sur Super Monkey Ball, Banana Blitz HD sur la Switch. On a fait 6 mondes, il y en a 2 encore, peut-être plus. On voit ce que donne le 7ème, et après on voit si je continue ou pas. Parce que je dois avouer que ce jeu est quand même rude en réflexe. Et voilà, rude en réflexe. On poursuit donc. Ah, j'ai des skins pour tout le monde. D'accord. Non, on va poursuivre avec celui qu'on avait de base, c'était très très bien comme ça. Alors, monde 1 c'est fait, monde 2 c'est fait, monde 3 c'est fait mais pas avec la médaille. 4 c'est fait, 5 c'est fait mais pas avec la médaille, 6 c'est fait mais pas avec la médaille. On allait attaquer le monde 7, bassin volcanique, oula. Si ça parle de volcan, ça veut dire difficulté élevée. Hein. Il y a combien de niveaux? 8 niveaux plus le boss. Allez go. C'est parti. Ready? C'est quoi ce niveau? Pour l'instant, je vais juste tout droit. Ok, faut pas forcément aller juste tout droit. D'accord. Ok. Hop, voilà, petit rattrapage. Où est l'arrivée? Où est l'arrivée? C'est quoi ce bordel? J'ai pas compris où était l'arrivée, pardonnez-moi, mais... Hop, doucement, doucement, il est... Ok. C'est mort. On repart. Oh punaise. Il faut pas... Faut vraiment pas que je prenne... la vie, hein. Faut que j'aille en dessous. Top, on ralentit. Là, on trace. Ok. Et là, pareil, là, je vais trop vite encore. On saute, on saute. Et on ralentit, on passe, on ralentit, pas du tout, on ralentit pas, non, je peux pas. Ah, le rebond. Voilà, là c'est bon, on passe. Et là c'est quoi ici? D'accord. Et je passe comment moi là-dedans là? Mauvaise idée, c'est pas grave. Très mauvaise idée. On attend, pas du tout, on attend rien du tout. Allez, go. Ralenti. Oui, oui. Hop, ralenti. Ok. Et maintenant
Mais je comprends pas. Là j'ai touché la barre. Si ça passe ou ça casse, en fait, la fin, c'est... Est-ce que c'est de mon niveau au moins? On attend, on recentre, on recentre, on refonce. On tempo, on ralentit, on ralentit. Et là on fonce. Voilà, et là on ralentit. Tac, on va au milieu. D'ailleurs, je sais pas, je vais tracer tout droit comme ça. Oui, non, non, ben non. C'était non. À mon avis, il faut que j'aille directement dans le trou en fait pour avoir de la vitesse. Peut-être que ça peut passer comme ça. Doucement. On passe. On passe, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. On attend, on touche à rien. Voilà, et là on refonce. On refonce. Vitesse. Le trou. Non, j'ai perdu ma vitesse. Ah oui, j'ai qu'à faire tout le tour aussi, comme l'entonnoir. Hein. Allez. Voilà. On stop. Ok. Et là ça a fonctionné. J'ai pas compris trop la différence, mais. Oh, alors c'est quoi ce niveau? Oh punaise. Okay, j'ai même pas le temps de passer le premier gros obstacle, déjà je tombe. Ça va être une horreur. Stop. Stop. Et les crânes et tout, quoi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Caméra sur 20 secondes. Je veux juste m'installer sur la barre. Hop là, non, hop là. Pour l'instant, on tâtonne. On tâtonne. Ah là, là, c'est bon. Enfin, c'est pas bon du tout, mais c'est pas grave. Parfait. Il n'y a aucun moyen de contrôler correctement la caméra. Du coup, c'est juste avec le joystick gauche qui, pour se déplacer, qui contrôle la caméra. Ok, là, c'est bon. On y va tranquillement. C'est pas grave pour le temps, on est là pour tester le niveau pour le moment. Hop là, ça passe. Oh punaise. Ok, il y a quelque chose d'intéressant à faire. D'accord. Bon, j'arrive au premier grand saut. Par contre, faut que j'aille plus vite sur l'installation de la barre. Là, stop. Voilà, là j'y suis. Comment tu veux faire ça? Et voilà, là je l'ai pris trop de côté. Dès qu'il faut aller vite, j'essaye d'aller vite. Doucement, 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 doucement. Oh, vous êtes sérieux, c'est dégueulasse. Je me sens sur ça. Oh, putain, je me sens sur ça. C'est dégueulasse.
Ready? Go! Ça passe pas. Bien sûr que non, ça passe pas. Ready? Go! Ah, oh, punaise, j'ai ralenti, j'aurais pas dû. Pareil, j'ai fait la même chose. J'ai fait exactement la même chose. Ok, trop haut. Bon. Trop tard. Par apprécier plus les boss que les trajets quoi. Alors là je suis allé beaucoup. Peut-être qu'un speedrun non ça peut être. Non, ça m'étonnerait. En vrai ça m'étonnerait. Je suis allé trop vite et trop sur le côté. Non, j'ai pas sauté. Je n'ai pas du tout sauté. Oh, ça pourrait passer en vrai. En vrai, ça pourrait passer. Hein. Il y a un truc à faire là. Mauvais. Oh oui, il y a un truc à faire. Il y a clairement un truc à faire. Faut juste sauter au bon moment, mais il y a un truc à faire. Je me suis dé... Voilà. J'ai été dévié.
Non, je l'ai pas. Sauf miracle. Ah non, je sais pas. Je sais pas, faut que je saute au dernier moment en fait. Faut pas donc. Maintenant. Ah non, pas cette vitesse. Dévié, j'ai été dévié. Oh là, oula, 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 oula. Ben en fait, non, ça va pas. J'y vais tranquillement en une minute, ça passera pas. Faut que j'aille au moins jusqu'à la deuxième planche, je pense. Et après on a. Voilà, je suis complètement dans... complètement dévié. Allez, ça tombe. Oui, 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 oui. Oh punaise, j'ai fait un truc sympa là. Je suis arrivé jusqu'à la plateforme d'après, d'accord. Sans trop faire exprès. Non, là je suis allé trop travers. Oui, oui, continue. J'ai pas sauté. Je manquais de vitesse, je pense, et je n'ai pas sauté. On va analyser le niveau. Hein. Voilà, je crois que je fais n'importe quoi. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Voir le niveau. Le départ il est où? Il est là. Ok. Première planche, ça va. Première planche, ça va. Grand cercle. Grand cercle, très compliqué. Petite planche. Et j'arrive à l'anneau de Saturne là. Et après de nouveau on se tape une planche. Ah ouais. Faut y aller tout droit quoi. Okay. Faut y aller tout droit. J'ai dévié. J'ai dévié. C'est le seul moyen parce que le niveau est quand même entre guillemets grand, j'ai qu'une minute. Oh punaise, j'y étais bien là. C'est trop... Non, ça va pas du tout.
Rattrapage, non, pas de rattrapage du tout. Ah, oh, purée. Oui, oui, continue. Toujours tout droit. Toujours tout droit, sauter au bon moment, toujours tout droit. Sauter au bon moment. Ah oui, d'accord, je fais n'importe quoi, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je vais tomber là. Ces choses-là sont là juste pour dévier. Ouais, voilà, comme ça par exemple, tout à fait. Et du coup, ça ne pardonne pas. On n'a pas le droit de les toucher. Je les touche tout de suite. C'est dévié. C'est dévié, j'ai pas sauté. Et là, c'est moi qui dévie avec le joystick. Punaise. Oh non! J'étais bien, j'ai manqué de vitesse quoi. J'ai plus vite. Non, dévié. Ouais, voilà. Voilà. On se calme pas du tout. Dire qu'avant avec sur arcade un game over ça pardonnait pas du tout. Ah ah ah, dommage, ça pardonnait pas du tout, hein, les sur arcade avant, mais pas du tout du tout, hein. Oh là, non c'est mort, j'ai obligé de tempo, je perds en vitesse, voilà, ça sert à rien. Pourquoi je saute pas? Je n'arrive pas à sauter. Ça sert à rien que je prenne le cercle lentement, je me fais avoir après. Je suis obligé d'aller vite sur ce niveau. Je n'ai pas le choix que d'aller vite. Comment j'ai fait tout à l'heure? J'étais à deux doigts de l'arrivée de cette façon là. J'y arrive plus quoi. Ok, là j'ai parti. Je suis parti n'importe comment. C'est pas bon. Voilà, j'en étais sûr. Il va falloir temporiser. Hop là. C'est mort. Et plouf dans la lave. Je suis pas sûr que dans la lave ça fasse tout quand même, vu la température et le cramé du truc. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comment j'ai fait quoi? Ok, c'est mort. Comment j'ai fait? Je me pose bien la question. Je
Je l'ai plus. Je ne l'ai plus du tout. Oh punaise. Il va falloir y aller moi, lentement. Stop. Mais j'y suis allé lentement, mais pas pendant longtemps. Oui, bien sûr. Tout à fait, oui. Temporiser. Oh punaise, non! C'était la plateforme finale! C'était la plateforme finale! À droite, je pensais que j'allais trop à gauche, j'ai juste un petit coup de joystick et c'était irrattrapable. Mon dieu, mais ce jeu avec les Joy-Con Drift, ça doit être horrible en fait, ils viennent foncer là. C'est injouable avec les Joy-Con Drift, heureusement que je suis à la manette. Pause avant, reprenne de l'élan, que je saute après. Bon là c'est mort, sauf miracle. Voilà. Stop, j'ai dit stop. N'importe quoi là, c'était le pire essai je pense.
Oh dommage. J'ai sauté trop tôt, je pense. J'ai du mal à le calculer ce saut. Hein. Mais une fois que ce saut passe, après, c'est la panique. Faut juste s'entraîner sur ce saut là, quoi. Mais je peux pas m'entraîner que sur un bout du niveau. C'est intéressant, en fait. C'est marrant, un éditeur de niveau de. Passer de vitesse. Mon tête à le passer comme ça, mais c'est parce que en legit je passerai pas. Dommage. Dommage. J'appuie plus longtemps sur la touche de saut. C'est le saut qui me pose problème. Oh là. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est une catastrophe. Grosse catastrophe. Continue. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est que le niveau 2 des volcans, mais qu'est-ce que ça sera sur les autres niveaux, quoi. Qu'est-ce que ça va être? Oui. Non. Trop à droite. Il y a un truc intéressant, là. Et plouf. Ça va faire une demi-heure que je suis sur ce niveau. C'est la même chose. C'était mieux. Mais j'ai dévié. Parce que je me suis dit, oh, ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi, je me faisais perdre. Pas assez de vitesse. Ce saut, mais il est si dur à timer, quoi. Raté. J'ai complètement raté là. C'était pas étonnant. Je fais n'importe quoi et je me rattrape et je me rattrape mal. Je me suis étonné. Je me suis surpris plutôt. Ah oui, bien sûr, rebondis sur le bord, ouais, bien sûr.
côté, Crash Bandicoot, c'était plus simple. Pourquoi j'ai ralenti? Pourquoi j'ai ralenti? Mal sauté. Et non, j'ai ralenti, bah oui, bien sûr. M'enlève les machins là, les petits triangles là, les petits Dodan pyramide, faut les enlever là. C'est déjà assez compliqué là. Et voilà, je me plante. Ah non, c'est là où ça va être horrible. J'arrive plutôt sur la passerelle, la deuxième. Je saute à temps. Passerelle 1, je saute, j'attends, je saute. Voilà, c'est ça. Je saute, je saute. Oui! Non! Punaise! C'était ça, c'était la tactique, elle était bonne, mais il y a un truc qui m'a dérangé sur la fin. Mais c'était ça. Là, je saute nulle part là. C'est mort. Je suis à combien d'essais là? 300? Mort. Ah oui, c'est plus que mort là. Même comme ça, j'y arrive pas quoi.
Ready? Go! C'est insupportable, hein. Allez. Punaise, je me plaignais du troisième boss. Et en vrai... En vrai, il était simple, le troisième boss. Ah! Je peux pas faire autrement. Je l'ai tenu tout à l'heure, j'étais à 3 mètres de l'arrivée, j'y arrive plus. C'est affreux! J'ai des mains qui glissent. Allez, on y croit. Grand saut et non. Qu'est-ce que je fais mal sur ce saut, quoi? Qu'est-ce que je fais mal? 1, 2, 1. Sauter. Tac, tac, tac. Passerelle. Tac. Je pense que je saute trop tôt. Et là, je vise à côté carrément. Et là je saute pas du tout. Je ne saute pas du tout. Faut vraiment que je saute avant la passerelle pour ensuite sauter tranquillement. Là je saute, j'attends, là je saute et là j'y arrive pas. Parce que je saute trop tôt. Je manque de vitesse. Je saute, attends, je saute, j'ai pas sauté. Pas sauter. Ready? Go! Ready? Go! Ok, bon. Faisons le choix d'y aller pépère. Ok, ne faisons pas ce choix. Pourquoi j'ai ralenti? Encore une fois, je me surprends à passer ce saut et du coup, pourquoi j'ai un réflexe de, mon pouce a le réflexe de ralentir sur le joystick. Je sais pas pourquoi. Voilà, là, je me plante. Punaise, j'aurais pu me rattraper. Continue. Yeah.
Ready? Go! Ready? Go! Qui était là? Pour l'instant, je pense que c'est le niveau où j'ai le plus d'esprit. Je sais pas s'il y a des stats dans le jeu pour ça, c'est intéressant. Et non, pas assez rapide et je saute trop tôt. J'ai pris le bout du bout quoi. Dommage. J'ai l'impression que je suis à un continue par minute, tellement j'épuise les vues. Allez, je perds toute ma vitesse. Dommage. C'est trop de travers, ça va pas du tout. Lui rattraper. Ah oui, bien sûr, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est au début que je faisais cette mort là, c'était plus maintenant. Hein. Non, trop tôt, je sautais trop tôt, j'avais passé de vitesse, ça sert à rien. Sur le côté. Ready? Go! 1, 2, 1, 2, 1. Et non, parce que j'ai sauté trop tôt. Encore. J'arrive à passer ce niveau de manière pépère à un moment donné, je comprends pas. Et mince. Oh punaise! D'accord, c'était quoi ce coup là?
Et là, je fais n'importe quoi parce que c'est fun. C'est rigolo, c'est la rigolade. Bon, c'est le dernier try des trois villes, hein, parce que dans tous les sens, c'était pas bon, je partais dans tous les sens. Je sais pas ce que j'ai fait là, là je sais pas. J'y arrive pas. Il va falloir remettre ça une autre fois, donc voilà. Je suis désolé, hein, mais voilà. Bon, donc faut revoir du Super Monkey Ball la semaine prochaine, malheureusement. Encore une fois, je n'arrive pas à terminer un jeu le samedi. Ça m'embête. Mais c'est comme ça, il y a des fois, il vaut mieux poser pour mieux reprendre par la suite. C'était difficile, hein, la dernière fois, on s'est arrêté dans un niveau volcanique, donc autant dire que c'est chaud, dans tous les sens du terme. Et surtout, il y a un truc qui m'a fait tiquer quand j'étais en train de préparer ce stream tout à l'heure. Dans les tags sur Twitch, par défaut, il y a écrit bon, action, plateforme, arcade, certes, mais aussi écrit fête. Ce jeu a un tag fête. Ce jeu n'est pas une fête. Ce jeu est l'horreur. Ce jeu est une souffrance. Il faut poursuivre l'aventure. Alors, attendez, que je regarde. On a tout fait pour le moment avec Aïe. Est-ce que j'irai pas sur un autre personnage? Par exemple, Mimi pourrait sauter plus loin et en plus c'est plus légère. Mais il y aurait plus de soucis au niveau de la force centrifuge. Ah, toi, c'est un meilleur rebond. Non, toi tu sautes pas du tout, c'est pas intéressant. Oh! Toi par contre, t'as pas trop de vitesse, mais tu sautes bien. Peut-être c'est avec Yann. Et toi non.
Puis, ouais, on va tester avec Yann Yann. On va voir ce que ça donne. On était au bassin volcanique. Niveau 2. Et c'était une horreur. Et il reste tout ça à faire. Plus les autres mondes. C'est difficile à souhait. Je crois que la dernière fois, on y a passé une heure sur ça. Et c'était déjà trop. Quoi. Ah oui, en effet, le rebond par rapport à l'autre fois, c'est vrai que ça change pas mal. Là, j'ai perdu toute ma vitesse. Bon, c'est juste histoire de se remettre dans le bain. Oh là là, l'horreur. Horreur sur 20. Et plouf. C'est juste joystick sauter. Tout droit. Et là on trace. Je crois que je me suis planté. Non, j'étais sur la fin. Bon, on tient quelque chose d'intéressant là. Deuxième try, on est déjà sur la fin. C'est pas mal. Voilà, je me suis planté. Ouais, je me suis planté dès le départ. Bon, faut faire gaffe, à la fin, il y a un trou qui m'a dérangé. Là, je pars trop sur le côté, là. Et là, j'ai pas rebondi. Oui, bien sûr, continue. On compte plus les game over, hein, on n'est plus à ça près du tout. C'est plus intéressant. Je suis parti totalement sur la droite. J'ai un petit coup sur la droite, c'était pas bon. Ok, là on est pas mal. Sauter. Sauter. Ah non! Elle a sauté trop à la. À la verticale. C'est pas le genre de jeu que les nouvelles générations joueraient celui-là, ça c'est clair. Je rappelle qu'à la base c'est quand même un jeu arcade. Les jeux arcade sont réputés pour. Oh, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Tout part en cacahuète. Singe cacahuète, champ lexical. Ouais, là c'était galère. Du coup, à la base, j'étais hypé par. Bon, le côté rétro, certes, bien sûr, forcément. Mais à l'automne, comme précédemment, le stream d'avant. Il y a une compilation de ce jeu qui sort à l'automne de 3, 4 ou 5 épisodes de Monkey Ball. Et bien je crois qu'en fait je le prendrai pas. Je ne le prendrai pas. Vu comment j'en chie sur cette version là. Voilà, ouais, c'est mort. Je voulais y aller vite et maintenant je peux plus y aller vite. Je vais être obligé de temporiser. Ah 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 non. Et non, ça passe pas. Allez, le deuxième try tout à l'heure, il était bien. J'y arrive plus. Oh, ok, c'est mort. J'ai déjà dévié, c'est fini. Tac. Sauter. Et voilà, j'ai même pas sauté. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est vraiment pas un jeu accessible en fait. Vraiment pas. Disent oui il y a deux boutons mais vu les parcours et voilà et là j'avais pas assez d'élan là je manquais d'élan. Oh punaise, je sais pas si le jeu est plus chaud que la température extérieure du coup. C'est horrible, horrible. Oh punaise. Allez, 1 2 1. Non, raté. Elle a pris le pic, elle a pris le pic, c'est fini. Sauter. Sauter. Oh là! Non, 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 fallait tempo, j'ai pas réussi à tempo, au secours. Bonjour, Scrion sur le chat. Monkey Ball, ça a toujours été plus ou moins dur. Ouais, mais dans mes souvenirs, pas à ce point. C'est ça le truc. Bon, c'est comme la plupart des jeux, Crash Bandicoot.
Du mois dernier, j'ai pas mal galéré, mais pareil, dans ma jeunesse, je ne me souviens pas qu'il était aussi dur. Pareil pour Monkey Ball. Monkey Ball, je me découvre... Alors, je ne me souviens pas l'avoir fait en entier à l'époque. J'y avais un peu touché, mais je ne me souvenais pas que c'était aussi compliqué, quoi. Ah là là. Hop, allez, oui, oui, oui. Allez, et non. Bon, en attendant, parce que j'ai pas fait mon blabla de début, parce qu'on a, j'ai commencé il y a 10 minutes. N'oubliez pas, hop là. Abonnez-vous sur Twitch, rejoignez le Discord. Et il y a la cagnotte, il y a le crowdfunding qui est en cours. Il reste une semaine, un peu plus d'une semaine. Il faut absolument communiquer autour de tout ça. Nous, on a fait tout notre possible. Maintenant, la balle, Super Monkey Ball, entre vos mains. Et des contreparties un petit peu sympas en plus. Il faut absolument qu'elle explose, cette cagnotte. On y croit. Monkey Ball, c'était déjà une purge à l'époque. Idem pour Crash. Ouais, ouais, mais vraiment, j'avais pas ces souvenirs-là. À côté de ça, Mario est un jeu casu. C'est horrible à dire, quoi. Allez, saute! Ah. Saute! Et non, j'arrive pas à faire le rebond, quoi. Le deuxième try, au tout début, il y a 10 minutes, était super. J'étais à deux doigts de la fin. J'ai juste raté un saut. Et là, je rate tous les sauts. Et là, je n'arrive même pas à sauter. Il y a le rebond, j'arrive pas à le faire. Et là il y a le pic. Et là je tombe entre les deux, quoi. Sérieux. J'ai changé de personnage exprès. Et en fait c'est pas mieux. Bon, il y a des personnages qu'il faut toujours pas prendre, je pense. Y aller lentement, j'y arrive pas. Y aller vite, j'y arrive pas. C'est un jeu fait pour être casu Mario. Ouais. Mais sérieux. Mais trouvez-moi les développeurs de ce jeu, hein. Je leur donne mon adresse, je leur dis allez-y, faites le niveau à ma place, hein. Punaise. Allez, on y croit. Non, je suis déjà parti de travers. Je suis parti de travers. Ça m'a perturbé. Non, oui, hop, stop, temps mort. Ok, choix d'y aller doucement. Punaise, même ça, j'y arrive pas. Alors, pour info, hein, je n'ai aucun contrôle sur la caméra, sinon c'est pas drôle. La caméra se contrôle uniquement en déplaçant le personnage. Donc un seul joystick, pas deux. Mais oui, hurry up, bien sûr, hurry up. Ok, hurry up, voilà. Il y a des grandes chances pour que ce soit le premier jeu non terminé de toute l'histoire d'Ivasome Studio, quoi. C'est moche à dire, hein. Non, c'est pas vrai, il y a le deuxième. Parce qu'il y avait Pokémon Vert, mais Pokémon Vert, c'était justifié. Puis il y avait les autres Pokémon qui avaient été faits en parallèle. Donc, on va dire que Monkey Ball sera très certainement le vrai premier jeu non terminé de l'histoire des bassins de. Non!
Voilà. On y croit. 1, 2, 3. Raté. Sauter à côté. J'ai trop de levier. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2. Sauter en barre à côté. Oh, allez, c'est mort. J'ai pris le pic, voilà. J'ai pris tous les pics. Punaise. Allez, on reprend. Dommage, j'étais droit là. Tout droit. Je suis pas droit. Avec l'autre personnage, le premier trou, je crois que je me suis très rarement fait dessus. Avec elle qui a plus de rebond et de puissance de saut, je me rate, c'est pas normal. Allez! J'arrive pas à rebondir correctement. Mais pas assez de puissance sur le dernier. Bah, c'est pas un choix en fait. J'aimerais. Ouais. Si on m'enlève les pyramides là, je pense qu'en vrai ça me dérange vraiment. Sauter. Voilà. Je pense que là par contre j'ai sauté trop tôt. J'ai vu l'endroit où j'ai sauté. C'était trop tôt. Pyramide, rambarde, sauter, non, stop, on se calme, doucement. Ah oui, en plus ils te mettent une boule autour là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a un trou, une rambarde, j'ai pas de choix que de faire deux sauts. Pas en face. Hein. Y a pas moyen que j'aille sur le cercle là. Non, le cercle est bien séparé. Je n'ai pas d'autre choix. Non, je l'ai touché. Et voilà. Et là c'est galère. Ce qui manque vraiment c'est le contrôle caméra de deuxième jeu. Il y aurait ça en plus, ça serait plus simple je pense. Punaise, mais à l'origine c'est un jeu Wii. Ça avec les motion control, sérieux? Ce jeu avec les motion control? Oui, non.
Ok, en fait, le problème c'est juste après la pyramide. Stop. J'ai pris la pyramide, je me suis mal mis. On y va tranquillement, voilà, on se redresse. Et là, tout droit. Presque. Non! C'est tout le principe de Monkey Ball, que la caméra fasse partie de la difficulté. Ouais, je sais bien, mais bon. J'essaie de me dire, démocratiser les jeux pour tout le monde, quoi. Ça, les générations d'aujourd'hui, ils y jouent pas. Non! Non! Je rappelle que s'il y a du rush kit, on part sur Mario Golf. Hein. Je pense que le pire dans tout ça, c'est que c'est pas le niveau le plus dur. Pour l'instant, c'est le niveau sur lequel je passe le plus de temps. Depuis samedi dernier. Ça, c'est le niveau 2 du volcan, mais qu'est-ce que ça va être? Il y a 10 niveaux au total. Enfin, 8, parce qu'après, il y a un niveau bonus et le boss. Oh, mais le boss, ça va être quoi? Ah, dommage! Monkey. Ouais. Je suis d'accord. Attends, je suis pas d'accord. Si on suit à lui, personne va jouer à Elden Ring, Dark Souls, Sekiro. Non, j'ai pas dit personne. J'ai dit. Les nouvelles générations de joueurs sont pas du tout sur ce style de jeu à tryhard. Pas du tout. C'est des jeux de niche. C'est pas un jeu grand public. Monkey Ball ressemble à un jeu grand public parce qu'il est un peu cartoonesque. Mais dans son gameplay, sa difficulté n'est absolument pas un jeu grand public. Dark Souls n'est pas un jeu grand public, clairement pas. Sekiro et compagnie non plus d'ailleurs. Il y a un public pour les jeux compliqués, j'en fais partie. J'ai pas dit le contraire. Je dis juste que Monkey Ball pourrait faire penser à un jeu grand public, et au niveau de communication est pensé comme un jeu grand public, mais quand tu vois le gameplay, non, il n'est clairement pas grand public. Et je pense que justement dans le grand public, il y a très 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 peu de personnes ils sont allés au bout du troisième, quatrième monde, quoi. Là, c'est le monde 7, si je me trompe pas. Ah, c'était déjà compliqué avant, mais là, ça a passé. Mais là, ce niveau, en vrai, j'ai racheté dessus samedi dernier. Je suis pas allé, à un moment donné, j'ai dit stop. Hop là. Là, ça fait... Bon, 20 minutes. Ça fait 20 minutes aujourd'hui. Ça a commencé en vrai. Mais dans une heure, je garantis pas d'être encore dessus, quoi. Oh, dommage. Dommage. J'y vais sans sauter. Hein. Ouais, bon, c'est pas passé. Non! Oh punaise, ce rebond de côté là!
Mais à côté de ça, même un boss de World of Warcraft, c'est plus simple. Quoi. Aucun rapport, vous me direz. Et je vous dirai, bah oui, vous avez raison. Il n'y a aucun rapport. Allez, si j'y arrive, ça veut dire que je peux looter invincible plus tard. Aucun rapport non plus. En même temps, j'ai pas repris mon abonnement gros, j'ai pas vraiment envie. En vrai. J'attendrai la rentrée, je pense. Non! Non, non, mais il y a un rebond, il y a un rebord, il y a un petit rebord sur le cercle. Pourquoi ils ont foutu un rebord sur le cercle? Ça bloque, ça casse toute la vitesse. Oui, continue. Sérieusement? Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Là, j'ai complètement fait une erreur. Non! La hauteur était bonne, mais j'ai sauté trop tôt. C'est passionnant, hein. J'en peux plus. Pouet 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 dios. J'aime beaucoup le petit délai entre ta cam et le jeu, du coup on a la réaction de ton fail une demi-seconde avant. Oui, il y a une seconde. Alors, il y a 0,7 secondes de décalage entre ce que j'ai sur la télévision et ce qui est sur Streamlabs. Ma cam, et il n'y a pas de décalage, enfin, ma cam est en direct sur Streamlabs, mais il y a 0,7 secondes de délai entre vraiment mes actions sur la télé et ce qui arrive sur Streamlabs. C'est même pas le décalage avec vous, c'est vraiment ce que le décalage, je l'ai aussi sur mon retour. Je sais pas d'où ça vient. Sur l'ancienne carte d'acquisition, il n'y avait pas de décalage. Mais par contre, il y a de gros problèmes graphiques, hein, on s'en souvient tous. C'est pour ça que j'avais pas pu jouer à Super Mario 35 de base. Hop là. Mais par contre, il n'y avait pas de délai. Mais là, du coup, ouais, y a un délai. C'est horrible. Ce que je vais faire, en gros, c'est... Je pense. Il est quelle heure? 43. S'il y a 15h, dans un quart d'heure, je n'ai pas réussi. Il y a 15h, je réussis pas ce niveau. Je vous mets une vidéo pub Iwasun Studio. J'ai fait exprès de mal le prononcer. Pendant ce temps, je tryhard en off pendant 5-10 minutes. Retour de la vidéo. Si ça fonctionne pas, eh bien ça fonctionne pas. Et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Tu t'amuses là? Ouais, je m'amuse beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, oh là là. C'était... J'avais fait le choix de ce jeu parce que justement, je m'étais dit, c'est mignon, ça sera tranquillou, il y aura un petit challenge, mais pas trop, tu parles. C'est un jeu tryhard. C'est pas du tout mon type de jeu de base. J'ai pareil, comme sur Crash Bandicoot, j'avais pas ce souvenir qu'il était aussi hard, quoi. Le fun est présent.
peux même pas faire l'imbécile pour essayer d'animer correctement, vu que j'essaye de rester concentré. C'est déjà assez compliqué comme ça, c'est pas le moment de sonner le téléphone par contre. Stop. C'est pas urgent. C'est pas urgent, je vais attendre ce soir. Allez. Continue. 1, 2, 3. 1. Non ! Pyramide ! Allez, go faire Megaman 2. Mais à côté, Megaman 2, je pense qu'il sera plus simple. Quoi. C'est vrai que des Megaman, ça fait longtemps qu'on en a pas fait sur Evasion. Mais le seul qui a été fait, c'était celui que t'avais fait, Ralga Street Fighter X Megaman ou l'inverse. C'est le seul qu'on avait fait. En vrai, on en a des vrais Megaman, on en a jamais fait. Sans déconner, on pourrait en faire. C'est lequel que j'ai sur la Switch des Megaman? Attendez, je regarde. Megaman? Non, Paradis, non. C'est lesquels que j'ai sur la Switch? Attendez, j'ai besoin d'allumer la lumière. Hop, je regarde, hein, lesquels que j'ai. Alors, j'ai Megaman. J'ai Megaman 11 et Megaman Legacy Collection 1+2. J'ai ceux-là. Sur Switch, il m'en manque encore. Je les ai pas tous. Megaman 11, Megaman Legacy 1+2. Hop là, j'ai arraché le câble. Hop là. Megaman X supérieur à All, mais la série X inférieure à la série originale. Allez-y, battez-vous. Je reste dans l'ombre, je vais passer juste pour pas que tu m'oublies. Mais je vais pas t'oublier, Wedgeos, quand même. N'importe quoi. T'es malade, Ralga. Juste une intro de Megaman X, Mythic, Lost. Si vous le dites. Je ne peux pas... Je me souviens pas tout ça. En même temps, en vrai, Megaman, je connais... Que non, enfin j'ai vu des Megaman, mais j'ai jamais joué, je crois. Il me semble pas. Il me semble pas que je les ai fait. Hein. Et non, Wedgeos, je n'oublie pas. T'inquiète. Hop là. À la base, Wedgeos, je pensais passer te faire coucou chez toi hier, mais t'étais plus en live quand j'ai voulu venir. T'as dû finir tôt, je crois. T'as dû finir tôt avec Yuni. Pareil, Yuni était plus en live. Donc. Parce qu'après le stream code de la route ici hier soir, je me suis pris une heure pour moi. Et après, j'ai voulu voir vos lives. Comme les deux derniers jeudis soir, là, Wedgeos et Yuni. Et vous étiez plus en live. Du coup, j'étais déçu. Du coup, j'ai bossé. Sinon, c'est pas drôle. Et j'ai regardé Loki. Tant qu'à faire. Chacun ses goûts. Ah oui, complètement. Tu trouves qu'elle dit Monkey? Je sais pas si elle dit Monkey. J'ai une poussière dans l'œil. Oh punaise. C'est pas le moment. Ah punaise. Bon, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout droit, on fonce. Petit saut. On attend. Grand saut. Grand saut. Pourquoi tu tentes pas de le faire safe si t'arrives pas en rushant? Parce que j'y arrive encore moins en le faisant safe en fait. Tout simplement. En le faisant safe, je passe pas à la deuxième rambarde.
Hop. Non, j'étais dessus. Caméra sur 20. Hop là. Regarde. Super Monkey Ball est une série de jeux vidéo développée par Amusement Vision. Ouais, Amusement Vision qui n'existe plus hein, d'ailleurs. Ils ont été absorbés par Sega. Oh non! Non! Je suis jamais allé aussi loin et je passe au-dessus du machin! Non! Rembobiné! Où est la save state? Pourquoi c'est... je joue pas sur émulateur? Oh! Punaise! Et l'autre il se fout de ma gueule quoi. Sérieux Tauren. M'inscrions dans le chat. J'en peux plus. J'étais à deux doigts quoi. À deux doigts de rien du tout. D'accord, faut faire un mug salt. J'ai toujours pas commandé celui-là. Il va falloir faire un mug salt. Mais oui, on rage pas sur Evasion Studio et tout. Tu parles. Il y a des jeux, ils te font péter des câbles. Hein. Vous êtes pas prêt de voir Dark Souls sur Evasion Studio, je vous le dis. Non, oui, non. Le stream est sponsorisé par les sels Cerebro et la baleine. Cerebro, c'est X-Men, ça. Cerebos, pardon. Oula. Pardon. Punaise, j'aurais dû me mettre en survêt et pas en jean. Tellement de... Je suis pas à l'aise, là. Non, allez! Je vais finir par manger du singe à force. Faites pas ça. Mais d'où ça passe entre l'anneau et Saturne quoi, sérieux. Saturne pas rond dans sa tête. En train d'écrire la blague. Ah ben, tu vois. On est synchro.
Ready? Go! Yes! Oh! Mes écouteurs. C'est pas trop tôt, quoi. Enfin! Enfin! Enfin. Facile ce jeu, bien sûr. Allez, la suite. C'est quoi ce niveau? La fin est en bas. C'est un entonnoir. La fin est un entonnoir. Stop. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est du Fall Guys. Jusque là, c'est du Fall Guys. C'est pas par là. Ouais, non, ça c'est un niveau où on peut pas se planter en fait. Ok, allez, on continue. Ok, niveau en escalier, en colimaçon, niveau en colimaçon. 2 minutes. C'est un niveau où il faut prendre son temps, ça. Voilà, par contre, ouais, il va falloir gérer la vitesse. Rentre dans la gueule du dino. Oh punaise, d'accord, ok. Oh là là, là, pop, 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 pop. Ah! Oh, je suis pas mort. Je suis pas encore mort, mais je me rattrape comment maintenant? Excusez-moi, caméra, s'il vous plaît, je voudrais voir ce que je suis censé voir. Je peux pas me rattraper là. Je suis dans... Ah si, là-bas. Ok. Sauter, c'est ce bouton. Hein. Ok, bon, tant pis. Je suis arrivé où? Oh, j'étais pas loin. La petite banane. J'ai l'impression qu'elle dit... Moi, j'ai pas l'impression qu'elle dit monkey. Bla 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 la monkey. Stop, allez, on ralentit. On ralentit, j'ai dit. Encore un cercle. Et on ralentit. Stop. Stop. On se calme. Tranquillou. Tout doux. Allez. Pouf. Oh. Oh. C'était intéressant, mais extrêmement risqué. Stop. Bon, jusque là, on peut y aller. Ok, il faut vraiment que je me colle contre le mur pour pas aller trop vite. Je pars en réunion. Bon courage.
Hop là. Oh punaise, mais c'est de pire en pire. Ok, c'est bon. C'est passé. Niveau bonus. C'est le niveau qu'on peut se fail, c'est pas grave. Oh la musique festive! On est en train de se cramer les fesses d'un volcan, mais la musique elle est festive. Oh punaise, faut sauter. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était juste un niveau bonus sans intérêt. Et là, c'est quoi? C'est le boss normalement. Ah non, c'est pas le boss. Niveau 5. Ah, il reste encore 4 niveaux. C'est quoi ce niveau? Quelle est la particularité de ce niveau? À part les totems qui font rebondir. Sauter. Wow! Ok, on est sur du... comment ça s'appelle? Interville, Ninja Warrior... Et Takeshi Castle, c'est le nom que je cherchais. Rebond. Hop. Ok, d'accord. Il y a un rebond mauvais. Combien il y a de plateformes? Il y en a une dizaine. Bon, l'escalier qui sert à rien. Et après, comment ça se passe? Oh, punaise. Ah ouais! Et après, il y en a deux d'affilée. Ok, d'accord. Je peux pas temporiser sur les plateformes fixes. Je suis obligé de me prendre les deux d'affilée. Bon, eh ben, il y en a pour 2 heures. Hein. Oui, alors ça, par contre, c'était nul. Excusez-moi, mais... C'est même honteux, je trouve. Honteux. Vous pensez qu'en traçant ça passe? Je pense pas. Bon, j'ai tenté quelque chose. Pas très concluant. Je pense qu'il faut que je temporise sur la deuxième plateforme verte. Stop. Ou grise. Je sais pas si c'est vert ou gris. Stop! Pas maintenant. T'as juste à les prendre en speed, le pattern est fait pour laisser un trou permanent. En speed. Oh punaise, on peut en sauter deux d'un coup en effet. Mais il faut pas que je touche dans ce cas les plateformes. Mais d'où je tombe là? C'est pas normal ça. Il y a aucune raison que je tombe là, à part être pas doué. Voilà. Là on esquive le totem. Et là, YOLO. 1 1 1 1 1. Allez, oh, presque.
Et j'espère qu'il n'y en a pas d'autres après. Non, après c'est bon. Après, normalement, c'est juste y aller tranquillement. Bon, c'est intéressant. Allez. 1, 2, 1. Punaise, j'ai rebondi. J'ai rebondi. Ready? Go! Sérieusement, totem. Ils se sont dit, tiens, c'est pas assez compliqué comme ça, on va mettre des totems pour expulser le joueur du jeu. C'est passé. Là, faut pas que je me plante. Hein. Ça me foutrait les boules. Hein. Ça me foutrait les super monkey boules. Ah oui, et en plus ils te mettent la sortie sur le côté comme ça quoi. Ils pouvaient pas la mettre en face, non. D'accord. Yata! Alors. C'est quoi ce niveau? J'ai skippé l'aperçu, j'aurais pas dû. Pyramide. Un escalier. Je peux aller au milieu là? Non, ça passe pas au milieu. Ouais, c'est ça, j'aurais bien voulu la faire rouler au milieu. Bon, je vais le monter là. Ça a l'air plus large que le niveau qui me posait problème dès le départ. Hein. Où est la sortie? Je vois même pas la sortie en fait. Ah, je la vois, elle est tout en bas. Attends, des quoi? Il faut que je tourne là, là? Et maintenant? Ça bouge pas? C'est pas une plateforme qui bouge? C'est pas une plateforme qui bouge. C'est pas une plateforme qui bouge. Alors attendez, l'aperçu. Est-ce que je peux pas faire un grand saut et skipper la partie 2 et 3 du niveau? Peut-être. En vrai, peut-être. Ça c'est épais. Je me mets là. En vrai, ça peut passer, non? Punaise, oui, ça peut passer. Allez, ça peut passer. Bon, mais je sais comment faire alors. Stop, on ralentit. Ça manquait d'élan. Ok. Un peu plus fort. Il faut vraiment ralentir fort sur la fin du tour. D'accord. Allez. Stop. Je suis allé trop vite. J'allais me planter. Ouf. Sauter. Ah punaise, trop à droite. Je serais allé à gauche, j'aurais rebondi, je pense, et hop, directement dans le portail. Hop là. Là j'ai glissé chef comme on dit. Il faut que je trouve le bon angle. Il y a les crânes.
faut que je saute par rapport au crâne. Si j'arrive à trouver le bon angle, après je me fie à comment passer par rapport au crâne. Je me comprends, c'est le principal. Ah ok. Continue. Ready? Go! Ah purée, j'ai paniqué. Voilà. Top. Et oh. J'aimerais bien réessayer mon grand saut en fait. C'est ça le truc. Si maintenant j'arrive même plus à aller sur les trucs là-bas. Top. Voilà, tranquillement. Petit élan. Stop. Hop là. Oula, 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 oula. Top. Crâne. Ok, là-bas. Oui. Pourquoi j'ai sauté? Pourquoi j'ai sauté? J'ai appuyé sur la touche de saut, j'aurais pas dû. Si ça aurait fait juste un petit rebond, j'aurais pu me rattraper. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur la touche de saut. Oh là là. Oh punaise! J'ai pris l'angle du machin quoi. Hop, on ralentit. Petit saut côté. En vrai, comment ça se passe sinon si je dois aller, si je dois le faire legit? Il y a quand même une grande descente. Hein. Oh là là, il y a quand même une super grande descente. Hein. C'est hyper fin. C'est encore plus fin que la boule du singe, quoi. Oui. Non. Je me prends quand même le rebond. J'arrive à passer pile entre les machins. Les deux baguettes, on va appeler ça les deux baguettes. Les deux rambardes, c'est les deux baguettes. Hop là. Non, là j'ai manqué de... Hop, on ralentit. Oh là. Oh, punaise, la chute, là. Non, je l'ai touché. Je l'ai touché. Bon, c'est... Il y a déjà du mieux. Il y a déjà du mieux. Hop.
petit côté. Hop. Oh, 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 oh. Dommage. C'est dommage. Ah, c'était pas prévu ça. Qu'est-ce que je fais? Je tente comme ça? Non, non, je tente pas comme ça du tout, non. Non, 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 non. Je tente pas comme ça, quoi. Allez, on recommence. Stop. Tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. On saute. Stop. Et là, petit saut, stop. Diagonale du crâne. Et... oui! C'est passé. C'est passé comme je voulais. C'est nickel. Hop là. Alors, suite. Il reste combien? Deux niveaux? Ouais, deux niveaux. C'est quoi ce truc qui tourne? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Me mettre là? J'aimerais bien que ce soit centré caméra parce que là je vois que dalle. Hein. Si je tombe sur ça, c'est injuste. Je sais même pas où est la sortie quoi. Je continue de monter. J'aimerais savoir ce qu'il y a en face en fait. Hurry up, mais oui, mais hurry up. Ok. Oh punaise, non! La sortie est vraiment juste en haut. Ok, faut tracer. Faut juste tracer. D'accord. La sortie est en haut, faut tracer. C'est sans danger jusqu'en haut. Oh punaise, faut réussir à remonter maintenant. Je me mets là. Et là j'attends. Voilà, et là on trace. On trace, on trace. Allez, allez, allez. Ok, caméra. C'est bon. Ah non, 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 la caméra, elle est repartie. Et on est presque en haut. On saute. Punaise! C'est affreux! T'as pris la rampe à l'envers en même temps. C'est pas faux. Allez. On y est presque. Stop! Non! Tranquillement. Faut pas que j'aille trop vite. Parce que je ne vois plus rien. Voilà pourquoi. Je voyais que dalle. On y croit. Oh, 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 non, on n'y croit pas du tout. Non, non, non. Et là, on monte. Alors l'angle de caméra était très bien, je ne veux plus que ça bouge. Mais pour ça je ne dois pas toucher les bords. On est presque en haut. Et voilà, on est presque en haut et du coup... et du coup je me casse la binette. Non, c'est pas drôle. Hop là.
Allez, on y croit. Ça va, une vitesse ce truc. C'est horrible. On est presque en haut, on est presque en haut. Non, la caméra qui bouge à ce moment-là, quoi. Ça change de couleur, normalement, quand on est tout en haut. J'ai 30 secondes. Le carreau doit venir marron. Je crois que c'est là. Ouais, voilà, le carreau, il est noir. Là, c'est la fin. Donc, je vais là. Mais je veux aller là. Je peux même pas aller. Allô, je veux aller de l'autre côté. J'y arrive pas. Ben oui, hurry up, mais je peux même pas sauter. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y a un truc qui m'a gêné, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On va éviter de sauter comme un imbécile. Hop là. Stop, on est presque en haut. On est presque en haut. Doucement. On est en haut. Ouais, mais je peux pas. Tiens, mais. Allez. Comment faire? La force centrifuge fait que je n'arrive pas à me rapprocher du bord intérieur. Je suis complètement bloqué sur le bord extérieur. Ah oui, oui, t'as qu'à chuter ici aussi, je te dirai rien. Bravo. C'est pas grave. Non, le singe, on se calme. Je reste sur le bord intérieur. Le bord intérieur. Donc, que je me... La caméra, que je me fasse avoir dessus. J'ai le choix entre la caméra ou la force centrifuge. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je sais pas du tout à quelle hauteur je suis. Non ! Bord intérieur, bord intérieur. Bord intérieur. On y est presque. Et voilà, je me retrouve bloqué. Là, je suis bloqué. Allez, avance. Comment je peux faire ça? J'ai même du mal à avancer, quoi. Oui, les bananes. Et je peux pas sauter, là. Ça saute en décalé. Comment passer ce machin? Sérieusement? J'ai fait exprès, hein. Je voulais savoir comment on saute sur la rambarde. Là, ça saute comme ça. Hop là. Ok, jusque là ça va. Et ouais, mais après je peux pas sauter vers l'intérieur. Attendez. Le bout en haut est plus haut que la plateforme. De peu, mais c'est quand même plus haut. Donc, sur quel angle précis il faut sauter? Il va falloir faire de la trigonométrie, les gens. Ça devient mathématique. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Oui! Et non. La caméra était intéressante. La vue de la caméra était chouette. Faut pas que je me prenne le bord. Faut pas que je me prenne le bord. Ah, trop tard. Oui. Hop, hop, stop, 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 stop. On se trompe pas. On est dessus. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est passé. J'ai pas chier. Oh, yes. Oh là. C'est quoi ce niveau? Une minute. Mais vous êtes malade. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est que ça se rétrécit après, oui.
Mais vous voulez que je passe ça comment, moi? J'ai le droit à aucune erreur, je pourrais me rattraper nulle part. Et en plus, à la fin, il y a un saut. Parce que autant sur quand c'est épais, ça va, mais quand ça... À partir de la tête de dinosaure, là. C'est fini. Je suis foutu à partir de là. Saut tremplin. Et il faut pas se planter sur le dernier saut, quoi. Oh, vous êtes affreux. Affreux. Allez, go. Ne pas sauter. C'est tout droit. J'ai pas le droit d'appuyer sur la touche de saut. Ok, bon, maintenant il va falloir que j'appuie sur la touche de saut. Ou pas du tout. Je tombe. Ok. Niveau 8. C'est le dernier niveau avant le boss, quoi. Mais voilà, mais avec la vitesse, comment voulez-vous que je passe? Il n'y aurait pas les boosts encore? Peut-être que. Mais avec la vitesse, là? Ça passe. Ça passe plus du tout. Et voilà, et là, je suis bloqué. Allez, saute. Eh oui, mais pas dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. Ready, go. Hop. On va tous les esquiver. J'ai 40 secondes. Je vais me planter. Obligé de les prendre en fait, vu le timer, j'ai pas le choix. J'ai pas fini le cercle. Ouais, non, j'y arrive pas. J'en prends un, je tombe. J'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ou alors faut que je mette plus de poids, et dans ce cas faut que je prenne un autre personnage. Oula. Ouais non, j'ai besoin d'un autre personnage. Je peux pas le faire avec elle, c'est pas possible. C'est pas possible de le faire avec elle. Quitter. Oui. Je vais prendre celui qui a le plus de poids. C'est où qu'on fait le choix du perso, c'est ici. Je vais tenter avec Gon-Gon. On va tenter avec Gon-Gon. Niveau 8. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant là. Ah oui. Oula.
Non, dommage. Bon, il y a quelque chose d'intéressant. Au moins, j'ai passé une bonne partie du niveau qui me posait problème. Oh punaise. Eh oui, bah là c'est fini. Bon allez, on retourne, bah va. Ça sera plus simple. Allez! Voilà. On se redresse tout droit. Et non. Non, non, non. Je vais aller un peu travers là dès le départ. Hein. Et là, je suis allé trop vite! Trop vite et pas assez sur la droite. J'ai cliqué sur non sans faire exprès. Non. Ok. Oh non, il y avait encore un saut. Oh non. J'ai ralenti, j'aurais pas dû. Il y avait encore un saut. J'ai mal compté. Allez, Gon, on y croit. 1. 2. Et 3. Allez, stop, on ralentit. On skip 1, et là on y va tranquillement. Pas se planter. Encore un saut. Ok. Non. Le rebond de côté. Dommage. Ok. Là, il faut reprendre de la vitesse. On prend ça. Oh, 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 oh. Ok, je pense qu'il y a avant le sprint, je pense qu'il faut que j'esquive une flèche. Donc, voilà, celle-là faut que je l'esquive, je pense. Donc, je saute, hop là, je passe dessus. Et là, on fait attention. Il y a 3 sauts hein, au-dessus. 1, 2, 3. On trace. Allez, non! Et là, je suis même pas allé à la moitié de cette succession de triangles. Droit. C'est mort. Ok, stop. Stop, on saute. Voilà. Et là, tranquillement.
Même chose, mais dans l'autre sens. Ça manque de vitesse. C'est pas le moment, le hurry-up. Il est passé sur l'écran, je voyais que dalle, quoi. Pourquoi il passe en plein milieu de l'écran, le hurry-up, là? On recommence. C'est dommage. Je pense que ça aurait pu passer, en plus. La flèche qu'on esquive? Non, je l'ai pas esquivé. C'est bon. C'est rattrapé. J'ai du mal à tenir la... Au contraire, la force en tes feux. Tout droit. Encore un saut. Ok. Yes! Arrivé. Ça c'est fait. Niveau bonus. Niveau de banane. Ah non, j'ai pas le droit à niveau de banane, c'est le boss directement. C'est quoi ce boss? Il faut taper le petit singe. Petit singe qui vole là, qui flotte. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aurais peut-être dû changer de personnage, je pense. Ouais, bonjour. Non, je peux pas. Oh là, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il est où? Edin. Bon, je l'ai tapé une fois. Mais je suis tombé. C'est pas ce qu'il faut faire. Faut pas le taper comme ça. Ouais. Ouais. Et ensuite. D'accord. Et ensuite. Ça se casse la gueule. Il est où? J'y arrive pas. Je pense que je manque de rebond. Ok, tapez une fois. J'ai pas pu le taper deux fois. Ouais. Là, il m'embête. Ok, il est où? Il est là. Il est où? La caméra a un focus sur lui. J'ai tapé deux fois, c'est bon. Voilà! Ok, j'ai pas pu le taper trois fois. Ah, il a changé de pattern. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il est où? Ok, j'ai tapé. C'est pas volontaire, mais je l'ai tapé quand même. Il faut le taper encore deux fois. Oula! Ah non, le petit coup là! Enfin, c'est pas un petit coup, c'est un grand coup. Bon, je l'ai tapé trois fois, c'est ça? Je peux pas rester en dessous. Ce serait intéressant de rester en dessous. Ok. Je peux même pas enchaîner là. Ça se remet en place. Il est déjà en ce pattern là. Tout à l'heure j'ai pu le taper deux fois avant qu'il fasse ça. C'est compliqué. Ouais, si tu veux. Allez, tombe. Il est en train de se reconstruire. Edin. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste comme ça ou est-ce qu'il s'accroche? Ok, il change. Edin. Et deux. Et trois? Non, pas trois. Deux. Il est où? Allez. Il se reconstruit là. Ok, deux coups.
Oh, doucement. Il est... Je suis bloqué. Oh, je suis bloqué. Il est de nouveau en forme humanoïde. Donc il a un pattern qui change. Je veux... Ah ok. D'accord. Donc maintenant on est sur... il me pousse avec ses sphères. Non ! Violence. Dommage qu'on puisse pas les enchaîner. Il doit y avoir un moyen, je pense. Ok, là il est pas mis en il s'est pas mis en serpent, il s'est mis en humanoïde. Là il va casser. Voilà. Ah non, il passe un. Non. Il est passé un serpent puis il a cassé. Il est où la louche? Là il passe un serpent. Et non, il est en humanoïde. Bah. Ah non, il a un serpent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! Attendez, 2 secondes. J'ai la montre qui s'est enlevée. Voilà. C'est gratuit. Je pense qu'il faut vraiment que je reste avec ce personnage. C'est lui le plus lourd. Ça me permet... Hop là, ça me permet de... mieux rester au sol, je pense. Si je prends un personnage plus léger, je pense que je vais valdinguer encore plus vite. Ah ouais, clairement. Si je reste en dessous. C'est pas une bonne idée. Ne pas rester en dessous. Ah par contre les barrières sont intéressantes. Faut plus essayer de jouer avec les barrières. Ok. Mais j'arrive pas à le toucher. Ok, barrière. Je suis bien là. On ne bouge pas. Ensuite. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse. C'est le moment. Touché! J'ai glissé. Barrière. Voilà, je suis bien. Là, je suis bien. Je ne bouge pas. Là, il va casser. Ok. À moi de jouer. Barrière. Ça là, elle était très bien. Voilà. Je ne bouge pas. Ensuite. Il remonte. Il casse. Et non. Et oui. Il est où? Je vois pas. Cassé. J'ai bugué là. Je reste là, je suis très bien. Non, je suis pas bien. Je suis pas bien. Voilà, c'est bon. Je reste là, je bouge plus. Il est en humanoïde. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de moi. Je suis bien là. Non, reste... Non. Barrière. Je reste à la barrière. Je ne bouge pas. Voilà. Il casse. Allez, je me casse. Vite, vite, la barrière. La barrière. La barrière. Voilà, barrière. Je ne bouge plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il a un serpent. Il casse. Il est où? Touché.
Excusez-moi, je cherche une barrière. Je veux une barrière, là, ici, barrière. Je ne bouge plus. Ah, punaise. Ok. Vas-y, casse. Mais hurry up, oui, t'es gentil, toi. Mais je peux pas aller plus vite que le... Voilà. Technique de la barrière fonctionnelle. Allez, boss, fini. World clear. Monde terminé. Je vous avoue que j'y croyais pas trop. Monde 7 terminé. Je peux passer au monde 8. Je peux utiliser maintenant Yan Yan dans le jeu principal. Sélectionne Yan Yan depuis l'écran de section du personnage. Ah, enfin. Menu principal. Oui. On va jeter un œil au personnage. Alors, jeu principal... Bah c'est le Yan Yan. Ah, c'est juste pour un skin. D'accord. Alors, petit marqueur pour YouTube. La VOD s'arrêtera là. Cordialement, bisous YouTube.